Arrivée tout droit de Russie la veille, Marguerite a rendez-vous avec son greeter sur le pont des Bergues. Passionnée d'urbanisme, elle a été mise en relation avec Nicolas, étudiant en architecture, qui lui a concocté une visite faite sur mesure. Petit passage par la place du Rhône pour observer la sculpture de Markus Retz, balade en vieille ville et descendre sur la place Neuve. Avec Nicolas, même le bloc de béton du Nid du Four se regarde dans notre œil. Ce bâtiment a été construit dans les années 70, puis donc Le Corbusier est mort en 65. Donc c'est juste après, c'est en quelque sorte pour lui rendre hommage. Donc en fait, c'est un cube composé donc de quatre façades, mais je ne sais pas si l'architecte a voulu faire ça. Quand on se place à droite, on va voir toute une façade en verre sans aucun élément en béton. Et quand on va se passer à gauche, on va voir une façade totalement en béton sans aucune fenêtre, ouverture. C'est vraiment intéressant. Marguerite n'avait jamais entendu parler de cette nouvelle forme de tourisme auparavant. C'est par le biais du site de Genève Tourisme qu'elle a découvert Geneva Greeters, une expérience qu'elle a beaucoup appréciée. C'est une bonne possibilité de voir des particularités de la ville. Pas vraiment des choses touristiques, mais c'est une belle possibilité pour saisir une ambiance de la ville. Nicolas ne regrette pas de s'être lancé dans l'aventure et donne volontiers de son temps libre pour ses visites informelles. Je voulais redécouvrir la ville. Donc c'est vrai qu'à travers Geneva Greeters, ça permet d'être plus curieux sur certains aspects de la ville. Ça permet de rencontrer des gens venant de divers horizons. Ça permet d'échanger sur nos cultures, sur leur culture. Fondateur et président de l'association, Alain Hirt gère le site internet genevagreeters.com. Il met en contact les touristes avec des hôtes disponibles pour les dates et les thématiques des visites souhaitées. Cette forme de tourisme déjà bien répandue dans le monde rencontre du succès à Genève avec plus de 75 visites réalisées depuis août. L'objectif principal, c'est vraiment de donner une image positive et accueillante de la ville de Genève à travers ses habitants. Le deuxième objectif, ce serait aussi d'ouvrir le tourisme à d'autres quartiers de Genève qui sont peut-être hors des sentiers battus et qui méritent d'avoir un coup d'œil. Pour devenir greeter, pas besoin de compétences particulières. Tous les volontaires sont les bienvenus. C'est justement ce qui les distingue des guides touristiques professionnels, explique Alain Hirt. Le concept greeter n'est pas concurrent des guides professionnels, mais je dirais complémentaire. Dans le sens où avec un greeter, on va découvrir la Genève d'un habitant de manière totalement informelle et authentique. Tandis qu'avec un guide, on va pouvoir rentrer vraiment dans le détail historique et patrimonial. L'association Geneva Greeters, qui ne demande qu'à grandir, compte à ce jour 25 membres. Ils proposent des visites dans plus de 10 langues et ont déjà accueilli des touristes venant des 5 continents.